Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du prochain qui va sortir, du prochain CAC 3D. Vous avez connu celui-là, le Super Hero Movie, mais voilà, la deuxième édition va arriver. Donc je viens juste de la recevoir. On va la découvrir ensemble. Nouvelle édition, la précédente est sortie il y a 3 ans. Je vous en ai déjà parlé depuis quelque temps. Hop là. Et voilà, nouveau format comme les autres qui sont sortis depuis 2021. Alors, hop là, voilà. Donc, nouveau format donc 21-21, 262 pages. Le précédent, je ne vais pas parler en pages parce que le format était plus petit. Mais il y avait 655 objets dans la version précédente. Il y en a un petit peu plus, 1120. 1120, exactement. Donc il y en a presque le double. J'avoue qu'il a pris pas mal d'ampleur et surtout on a rajouté pas mal de fabricants que vous aurez l'occasion de découvrir. Voilà. Donc ça, c'est la version BAT, le bordereau que je dois d'abord viser avant de lancer l'édition. Que vous dire? Je vais vous citer les fabricants. Hop là, tiens, on va voir directement sur la. Je ne sais pas si ça va être net à l'écran. Hop là, je me rapproche. Voilà. Hop, hop. Donc, il y en a un bon paquet. Il y a DC Collectibles, DC Direct, Diamond Select Toys, Gentle Giant, Hot Toys, Iron Studio, Kotobukiya, Oxmox, parmi les nouveaux. Prime One Studio, Queen Studio, là aussi c'est nouveau, Sideshow Collectible, Twitter Head et divers fabricants. Voilà, Takku, Cinemaquette, Eagle Moss, Hollywood Collectible Group, Infinity Studio, ça aussi ça fait partie des nouveaux, Weta Workshop et XM Studio. Voilà, donc là ce sont dans ce CAC 3D, c'est tout ce qui est super-héros au cinéma. Que j'ai sorti depuis quelque temps, depuis la version précédente du cinéma, parce que ça devenait vraiment trop épais, puisque quand on commence à voir le cinéma, si on prend rien que les bouquins sur le cinéma, les 3 bouquins sur le cinéma qui sont déjà sortis, voilà ce que ça donne, puisque il y a Tolkien, le cinéma, mais tout ce qui reste, celui-là et le prochain à sortir. Qui sortira l'année prochaine, c'est celui sur la guerre des étoiles, qui sera aussi épais, bien évidemment, qui sera sûrement un des plus épais. Voilà. Donc pour revenir là-dessus, que vous dire de plus? Pas grand-chose, sinon que ben, maintenant il ressortira que dans 3 ans. Donc pendant 3 ans, celui-là, c'est celui que vous allez pouvoir découvrir. Je travaille déjà sur la prochaine version, mais ça, on verra. On en reparlera d'ici là. Déjà, il y aura beaucoup d'autres sorties avant. En espérant que ben, celui-là vous plaise. Il est disponible d'ici une quinzaine de jours, je pense, le temps que l'imprimeur reproduise tout ça. Et puis en attendant, je vais commencer à travailler sur le prochain, qui est celui sur Franquin. Voilà. Qui va réunir Gaston, Spirou, les Marsupilami, les monstres et tout cet univers qui tourne autour de ce dessinateur, qui est André Franquin. Voilà. Je vous dis à bientôt. J'essaierai de vous faire une vidéo, un unboxing quand celui sur Franquin sera prêt en fin d'année. Voilà, sachant qu'il arrivera avant Noël, quoi qu'il arrive. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.